Ce matin, petit déjeuner un peu spécial, puisqu'on a décidé de jouer au Rami. Et première partie, je gagne. Voilà. Franchement, je suis fatiguée d'hier. C'est vrai que la journée en cuisine, ça m'a franchement mis KO. Nono, il a assuré, il m'a laissé dormir. Il a rangé toute la maison. Les enfants, ils n'ont pas été à la crèche. Kenan, il est là en train de dormir. Parce que figurez-vous qu'il a plu à Dubaï, il y a eu le déluge, donc les crèches étaient fermées. Et voilà. À toutes, la nôtre, c'était pas le personnel. Je viens de faire un cake pour mes enfants, je suis dégoûtée. Je me suis rendu compte que j'avais pas mis la levure. Donc ça va être un frisbee. Oh, je suis dégoûtée. Je l'ai fait avec amour. Purée, il est dans le four. Oh là là. Elle est malade, donc je vais faire de la floraline pour elle ce soir. C'est trop trop bon. Ce que vous connaissez, c'est de la semoule de blé et semoule de tapioca. C'est de la mini semoule en fait. Et moi, je la fais avec du lait, du beurre et je mets un kiri dedans. Et c'est trop bon. Et quand je suis malade, ça c'est top. Ça donne une sorte de préparation comme ça. Comme un genre de couscous au lait, mais ça n'a rien à voir. Et c'est trop bon. Et puis après, ça donne ça. Et je vous jure que moi, quand je leur fais, je le mange avec eux. C'est vraiment trop trop bon. Je vous en parle là parce que la dernière fois, j'avais montré la boîte et il y en a plein qui m'ont dit « qu'est-ce que c'est, Cam ?» Donc si jamais vous ne connaissez pas pour vos enfants, ça se vend en grande surface et c'est trop trop bon. Bon, ben je suis dégoûtée. Voilà, c'est pas monté du tout. Normalement, il devrait être là, très très épais. Et ben là, pas du tout. Je vais voir si c'est quand même bon en termes de goût, histoire qu'on ne le jette pas, qu'on le mange. Mais j'espère que c'est bien cuit aussi, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai laissé. Je suis deg. Et dire que j'avais filmé toutes les étapes pour vous faire un réel, pour vous partager la recette du jour, mais on n'aura rien, aucune recette aujourd'hui. Franchement, je suis deg, puisque je l'ai fait avec amour, c'était pour leur petit-déj de demain. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, on va le faire ensemble. Catastrophe. Je suis dégoûtée. C'est même pas bien cuit. Catastrophe. Voilà. Ce qui devait être un beau marbré. En fait, c'était une savane que j'ai fait, vous savez. Mais ben voilà. J'ai envie de pleurer. Quand je rate comme ça, j'ai envie de pleurer. Alors, Gigi, elle est bien malade, ma fille. D'ailleurs, elle tombe malade tout le temps. Depuis qu'on est rentré, tous les 4-5 jours, elle est malade. Là, on a... Attends, Pikachu, montre-nous comme tu es beau. Voilà. Et je lui ai mis le pyjama. Et il m'a dit Pikachu, Pikachu. Donc, il s'est fini. Enfin, ça s'est fini avec le bonnet. Et je vous disais, là, c'est le petit moment de temps calme. Ils vont bientôt aller dormir. Donc, ils s'amusent un petit peu. Adria, elle a le sien, donc c'est de l'apprentissage dès 12 mois. Donc c'est parfait pour son âge. Kenan ici, ça va de 18 mois à 3 ans, donc c'est pile son âge aussi. Et je vous jure qu'ils apprennent les couleurs, les formes, les animaux. No. No, ok. No. Là par exemple, il avait collé vache, mouton. Là, les relie ensemble. Vous voyez? Non, c'est pas dans celui-là mon cœur. C'est vraiment, vraiment génial. Et ils sont là, ils sont assis, ils découvrent ensemble. Ici ma vie, là.
Bravo, ma merveille! Bravo! Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais ça peut le faire. Et attends, viens, regarde ici ma puce. Alors. C'est quoi ça? C'est la pomme? Adria, c'est la pomme! Colle-le ici, recolle-le le citron. Colle ici. Ouais, non, ça c'est du poivron, c'est jaune. Tu les mets à côté, par couleur, regarde. On range par couleur. Bravo. Il me fait délirer avec ses oreilles de Pikachu. Et ça, en général, on essaie de le faire le soir. Une fois qu'ils ont fini de manger, ils s'amusent un petit peu et c'est déconnexion, pas de bruit. On est dans la chambre tranquille. Puis après, ils vont dormir. Voilà. On peut même faire des dessins avec les feutres à l'intérieur qui sont fournis avec les livrets. Alors, donne ma puce, on va ouvrir. Tiens, regarde, tu prends un feutre et regarde ma puce. Oh là là, tu es à toi? À toi? Dedans, dedans, ici. Très bien, ici maintenant? Et ici? Et ici? Waouh! C'est une artiste. Du grand art. Et l'avantage aussi? Comme ça, ils dessinent autant qu'ils veulent à l'intérieur. Donne. Maman, elle efface. Comme ça, tu recommences et tu le fais de mieux en mieux. Ok? Doucement, doucement, ma fille. On apprend. Oh, elle est bien malade, ma chérie. Ce concept, mes petits livrets, franchement, je l'aime trop. Vous voyez, c'est des livrets d'activité donc pour enfants. Ça va de 12 ans à 8 ans. Moi, j'ai pris l'âge de mes enfants, 18 mois à 3 ans, de manière à ce que ce soit adapté pour eux et qu'ils puissent découvrir et apprendre tout en s'amusant, en fait. Ici, je vous avais montré la dernière fois, ils ont même leur petit diplôme. Il faudrait que j'écrive leur prénom de la petite fermière et du petit fermier pour ici le thème de la ferme et des animaux. J'ai aussi pris thème fruits et légumes et le terme des formes et des couleurs. Pardon. Donc voilà ce que ça donne. Là, ils vont découvrir la couleur jaune, orange, bleu, etc. Ici, donc, tu colles. En fait, ça leur apprend, vous voyez. À l'école, un triangle jaune, hop, le carré rouge, etc. Le cœur, l'étoile, comme ils ont pu faire. Les ballons, les fleurs. C'est des termes, ça, qu'ils connaissent déjà. Ici, avec les petits feutres, ils viennent colorier à l'intérieur. C'est vraiment un super, super concept. Pareil pour le thème de la ferme et des animaux. Ici, voilà, aider le cheval à sortir. Attribuer ici des numéros. Vous voyez? C'est génial. À l'école, le bébé de l'âne. C'est vraiment trop, trop bien. Qui fait quoi? Voilà. Tu dis la vache, elle fait du lait, du fromage. Ça apprend, en fait. Donc, je trouve que c'est un superbe concept. Ici aussi, il y a le petit abécédaire. Ça, c'est plus pour Kenan, Didier, elle est encore petite. Mais voilà, pareil, pour apprendre l'alphabet, vous voyez? Je trouve ça génial. Et c'est utilisé par des milliers d'enfants, des professeurs. Et pour vous dire, il y a même des orthophonistes qui les utilisent. Donc, c'est vous dire. Des assistantes maternelles, etc. Tout ce qui est lié, en fait, au monde de l'enfant. Et moi, pour les avoir, du coup, reçus depuis une dizaine de jours, je peux vous dire que mes enfants les kiffent. Ils m'ont d'ailleurs perdu pas mal de trucs. Regardez ici, là. Adrien, où tu as mis d'ailleurs la tête de ce nounours-là? Ils m'ont perdu certaines cases, mais bon, c'est dans leur truc, là, leur bac à jouer. Mais c'est super bien. Vraiment super bien et réutilisable, vous voyez? Si vous avez d'autres enfants ou autres, c'est réutilisable totalement vu que c'est plastifié. Donc ça aussi, c'est génial. Ils peuvent écrire autant qu'ils veulent, après, on efface. La princesse. Là, je pense que je t'ai bien amusée, ma fille. Oh, elle est malade, ma bébé. Je vais lui donner d'ailleurs son sirop avant qu'elle aille dormir. Tu t'es assez amusée? On va aller faire dodo, mon cœur. Et demain, on joue encore. Ok, ma vie? Allez, dis bye bye, les livres. Bye bye, les livres. À demain. Elle a pas trop l'air d'avoir envie, mais elle va pas.
féminine. Et Ijdi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une marque qui vous propose des produits à base d'huile, qui est d'ailleurs l'huile la plus rare, la plus chère et la plus prestigieuse du monde. C'est l'huile de pépin de figue de Barbarie. Parce qu'elle apporte de vrais résultats sur votre peau. Elle est anti-cicatrice, anti-tache, anti-acné, anti-bouton, anti-ridule. C'est un puissant anti-âge puisqu'il y a de la vitamine K à l'intérieur. Bref, le must pour notre peau. Et c'est surtout une marque qui met en avant depuis quelques années déjà. Moi, je vous l'ai déjà partagé plus d'une fois. Le satisfait ou remboursé. Et il y a peu de marques skincare qui font ça, croyez-moi. Mais en fait, Ijdi est persuadée que vous allez avoir des résultats sur votre peau en utilisant leur gamme de produits et surtout leur best-seller qui est cette huile-là. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le satisfait ou remboursé. Donc, si jamais tu commandes, que tu essayes sur plusieurs mois ou plusieurs semaines et que tu n'es pas satisfaite, ok, je tiens à avoir un remboursement parce que j'ai pas vu de résultat. Et c'est ce que la marque garantit justement. Et ça, je trouve que c'est un énorme gage de qualité. Je vous le dis à chaque fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui te disent bah, essaye. Si ça te plaît, tant mieux. Ça ne te plaît pas, je te rembourse. Et Ijdi le fait. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de code promo. C'est simplement une remise, qui est d'ailleurs pas si simple que ça, puisque c'est 50% de réduction sur le site internet. Donc s'il y a des produits qui vous intéressent, si vous êtes tenté d'essayer, si vous avez envie de réavoir aussi du stock, puisque vous avez déjà par exemple testé cette huile-là et que vous n'en avez plus, c'est le moment, puisque c'est 50% de réduction pour le Black Friday sur tout le site. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. En passant, donc le best-seller, c'est cette huile-là pour le visage que je vais m'appliquer. Je vais aussi me laver le visage là parce que je brille quand même pas mal. J'ai du sébum avec ce fameux savon qui est exfoliant pour la peau et qui adoucit la peau. Il est génial, super bon nettoyant aussi. Vous avez donc la crème de jour. C'est une crème hydratante à base d'huile d'argan. Je disais que la crème, elle avait de l'huile d'argan bio, du Maroc aussi à l'intérieur et de l'huile de pépins de figue de Barbarie. Donc c'est une crème qui est hydratante. On a le gommage aussi donc, qui exfolie et qui va justement permettre de réduire les taches de cicatrices ou les taches liées à l'acné ou autre. Il est super, le gommage est très doux, il exfolie en douceur. On a ce masque au safran aussi, donc c'est un masque qui purifie et qui apaise la peau. Et donc une petite nouveauté que j'ai reçue là d'ailleurs, c'est une crème anti-âge et anti-ride qui va surtout concerner les cernes. Donc c'est un peu un contour des yeux, quoi, vous voyez, que j'ai jamais encore essayé puisque je crois que c'est une nouveauté de chez eux. Donc là, avant toute chose, je vais aller me laver le visage. Trop bien de recevoir un réassort. Là, si je vous montre l'état de l'ancien savon, il est comme ça. Donc, je vais aller me mettre un peu d'eau, me le passer. Puis ensuite, je vais appliquer l'huile et je vais me faire un kiff, une sorte de massage avec mon petit appareil là que j'ai acheté à même pas 5 euros. Et je reviens. Mon visage, il est nickel. Je suis plus du tout grasse, je suis toute douce au contraire. Et j'applique donc cette fameuse huile. Donc cette huile, pourquoi elle est si miraculeuse? Pourquoi elle est si prestigieuse? C'est une huile qui est bio forcément, qui est naturelle à 100%. Vous n'avez aucun produit chimique à l'intérieur. J'insiste, donc vous appliquez une huile qui est pure sur votre visage. C'est pour ça que vous allez avoir des résultats. Donc celles qui ont de l'acné, qui ont des taches, taches de soleil, des masques de grossesse, etc. Celles qui ont des cicatrices, qui comme moi ont eu tendance à un petit peu trop se crever les boutons, ou des cicatrices liées à des démangeaisons, ou peu importe, qui ont même des démangeaisons sur leur visage, qui ont des rides, des ridules apparentes sur le contour des yeux, dans les sillons. C'est l'huile qu'il faut utiliser puisqu'elle est miraculeuse pour ça. C'est-à-dire qu'elle permet justement d'atténuer tout ce dont je viens de vous parler. Donc, vous n'en appliquez pas forcément 2 tonnes. Moi, je mets toujours une petite goutte de chaque côté. Voilà. Et je vais venir masser. Donc, vous faites des mouvements. Vous disiez que je venais faire des petits mouvements circulaires. Initialement, c'est comme ça qu'on vient l'appliquer. Et moi, après avoir massé mon visage, je vais venir me faire un petit massage avec ma brosse. Mais sinon, vous faites tout simplement ça. Voilà, comme si vous appliquiez en fait une crème de nuit, par exemple, vous voyez. Et ça, c'est bien de se le faire le soir au coucher. Comme ça, l'huile, elle a le temps de pénétrer dans la peau toute la nuit, vous voyez. Donc, vous l'appliquez sur une peau bien propre, hein, en utilisant le savon, qui enlève justement toutes les peaux mortes, etc. De manière à ce que l'huile, elle pénètre en profondeur.